Il n'y avait pas de réseau pour qu'il y ait d'Echerel.fr. Sleeping. Oh, il est mignon, il dort. Je vais te mettre le doigt dans le nez, tu vas aspirer le bras. I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Oh la pute. Tu crois? Ouais, 100%. Regarde, elle nous regarde. Everybody stand down! There you go. Good job, Vincent. Ah! Dallo! I'm sorry, Leo. Hey, mais t'es boubours, bro. On te l'a dit, hein, depuis le début. Quand je t'ai dit t'es boubours, au début, il faut me faire confiance au bout d'un moment, Fufu. Oh non! Oh, bien joué! It's all there. Count it. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! 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 Gary! Something Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary, stay with me. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! And listen, Leo.
You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Fifi? Ouais. Fais pas le con! Putain, tu m'as trahi! Bah, t'as tué mon frère! C'est pas moi qui ai tué ton frère, c'est Hervé! Bah, ouais, mais t'as tué mon frère, frère! Non! C'est moi, ton frère! C'est pas une bonne idée! T'es pas obligé de faire ça! Tu fais, je pense que t'as un choix en plus, hein! Non, j'ai pas le choix. Fifi, ça me ferait chier de te tuer, hein! Rentre là-dedans! Tu penses que si t'attendais, t'avais un choix en vrai? Non, je pense pas. Ah, ça serait possible, ils nous l'ont déjà fait le coup, hein. Dans la supérette, hein, dans le braquage, hein. Ça se trouve, t'es mon frère. I fucking trusted you, Vincent. Ouais. Faut pas se flic. Calm down. Are you serious? Écoute, courir avec demain, frère. Angry, you haven't seen me angry yet. You backstabbing pig. Please, just calm down. Tu vas nous foutre en l'air. On va les couilles. Tu verras plus jamais ta fille. Arrêtez la voiture, c'est de la folie. Leo, je vais essayer de te calmer si tu ne fais pas le con. Tu ne fais pas le con. Mais tu dois réaliser que c'est fini, ok? Shut up, Vincent. Tu n'as rien à dire à moi. Tu n'as rien à dire. T'as pas une question à me poser avant que ça soit fini entre toi et moi? N'empire pas les choses, je suis vraiment désolé. Allez, je m'excuse, frère. Franchement, je t'ai kiffé. T'étais bougours, mais t'étais quand même un copain. Sorry? You're sorry, hein? I can't believe you, you fucking rat. Cafard! C'est pas gentil. Pas cochère! It's over. The entire police force is after. Je peux prendre le pistolet et t'enculer, hein, mais. Tu prends le pistolet, je me crache. J'essaie de te raisonner. Je me crache à ce moment. Shut up! Ah ouais, et là, tu fais quoi? Là, je me crache. Et je l'ai pas pris. Putain, c'est vraiment bien. Tu vas me dire que t'as déjà fait un pèlerinage sous l'eau ou enfermé dans une voiture? D'habitude, ça. Bah, je sais pas, je trouve que c'est vachement bien waterproof. Allez, tu viens, mon copain? Non, moi je vais vers le soleil. Va dans le rouge, toi. Ah, tu comptes venir en plus? Léo, t'es mon copain! Merde, vite! Ah là, tiens, dans ta gueule, la petite bâtard, je l'ai jamais aimé de toute façon. Jamais voulu faire le let's play avec toi. Eh ben, je me casse. C'est pas grave, j'arrive en hélico. Léo, n'oublie jamais que je suis ton copain. Oh, mec, t'as la pire face du monde. Ouais. Oh, je dois viser le moteur. Désolé, Léo, hein. Bah en fait t'es intouchable, non mais t'es juste intouchable. Ça dégage.
Bien joué à toi. Je vois que ça drift. Quoi? Je suis perdu. Ah non, c'est bon. Mais c'est quoi? Tu touches le moteur, tu touches le bateau, c'est vito. T'as dit quoi? Tu ne touches même pas le bateau. Mais gros, je touche pas le bateau là, t'es sérieux ou pas? Je touche le bateau mais pas le moteur. Mais si. J'ai munitions limitées, hein. J'ai pas un cheat code. Allez! C'est fini pour toi, Léo, je t'avais dit que je te joindrais. Ouais, c'est basse. Léo, j'arrive, mon pote. On est réussi. Non, non, non. Non. T'es content, tu m'as tué. Tu peux partir maintenant. Non, non. Ah, c'est stylé, tu dois me tuer et tout. Enfin, mais tu m'as arrêté. Ah, sacré Léo! En plus, moi je disais, oh la pute, elle nous a trahi! C'était toi, le chef! T'as tué mon frère! Gary! Oh non, je vais devoir te tirer dessus? Oh, c'est compliqué cette histoire. Hein. Il veut pas lâcher l'affaire, hein. Lâche l'affaire, frère, non? Non, tu ne mourras jamais vivant! J'arrive avec tellement de style. J'ai tué ta pote, je te le dis, elle va crever. C'est pas grave, je l'ai jamais vu. Je m'en fous, je fais un let's play avec elle. Allez, salut tout le monde, on se retrouve avec Jeannette ce soir, c'est un plaisir. Salut. Oh, le double ascenseur. Oh, mon seul problème. Gros, elle va atterrir, je vais la choper direct. Ouais, tu vas lui mettre le mec. Tu vas lui laver le cul, je pense. Oh, pas que. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo! Shut up! Ah, tu m'appelles Leo maintenant. Just go! Monsieur Leo. I don't want to hurt you, Emily. Just get up! No, I can't do that. Don't fucking push it! This is between me and Vincent! Now get the hell out! Get out! Go! Attends, on va se refaire un GoldenEye à l'ancienne, t'es prêt? Ouais, j'ai l'impression. Hein. Je crois qu'on va devoir circuler, mec. Hein. Ouais. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Oula, mon personnage, il est un peu fâché. T'es vénère de ouf, hein. Ah ouais. Gonna à l'ancienne. Ah, ton stylé, gros. Goldeneye. Ah, je te vois. T'es où? Ça passe pas à travers, je crois. Sors un peu, là. Arrête de faire ta... Hein. Écoute, Fifu, laisse-moi te mettre KO. Mec, je sais pas combien on va se tirer de balles dessus, mais beaucoup trop à mon avis. Fufu, fais pas le con, arrête-toi, Fufu. T'es bon copain ou pas? Dit-il en me tirant dessus, tu sais. Allez, sors, Fifi, vas-y. On peut pas se tirer dessus ici. You're not scared, are you? Got it. Stay still, dammit. God damn it. Désolé. Ah, je serai jamais la peur. Là, il veut pas lâcher, hein. Lâche le morceau, frère. Je vais sortir de mes souris, là. On peut réduire ta peine, Fifu. Oui, mais c'est ma peine dans le cœur qui me fait souffrir. Je pourrais la penser. Jamais. Oh, mais gros, t'as vu les dégâts que tu mets comparé à tout à l'heure, frère? Ça va aussi, hein. J'ai sorti la souris, c'est pour ça. Non, mais ça a rien à voir, ça a rien à voir. Tu m'as, on a chargeur, tu m'as mis ce que je t'ai mis. Non, en fait, on doit s'entretuer, je pense, la vérité, hein. Ouais, une fois qu'on atteint un certain stade. Ouais, je
Je pense qu'en fait on va juste s'entretuer. Ça sert à rien, Léo. Quoi? Hop. Tu vois, en fait, on va s'entretuer. C'est fait exprès que chacun perde sa vie. Mais c'est bien fait en vrai, hein, c'est stylé. Hein. Ouais. Jette ton arme! Attends, j'ai plus de vie que toi, c'est incohérent là par contre en vrai. J'ai sorti le clavier souris, gros. Non, non, mais j'ai plus de victoire en fait quand tu fais là. Clavier souris, ça change bien, hein. Mes balles, ah oui, mais... zéro dégâts tout à l'heure. Non, mais je visais mieux. Je visais pas, j'arrivais pas à te toucher, j'arrivais pas à viser. Est-ce que j'aurai un choix ou pas? Oui, je pense. Non. Non, je les connais. Ah, c'est un peu. Là, je pose bleu. Explication. Là, ça finit en équilibrium, là. Oh là là, on va encore s'enculer, putain. Je sais pas combien de balles on doit se tirer. T'es où, là? Je vois que dalle avec l'écran, putain. Monte. Non, descends. Attends. Vas-y, viens, arrête. Ça, tu sais que ça sert à rien de courir. On va devoir s'enculer. Vas-y, vas-y, sors. On s'en bat les couilles. Et après, ça sera moi. Ah, t'as un pied dans les briques. Comment oses-tu toucher à mon doux visage? Comment oses-tu? On va se battre à coup de poing là. Ouais. Mortal Kombat style. Là, ça me rappelle la fin de MGS4. Ouais, c'est vrai. Quand ils se battent. Avec Ocelot. Avec les différentes barres de vie, musique, thème et tout, c'était énorme. Hein. Allez, viens, on se la donne. Ah, on dirait Piccolo quand lève son armure, tu sais, de 6 tonnes là. RT! RT, Fufu! Vas-y, mets-moi ce que je... Regarde la Victa comparée à la mienne. Eh, tu vas la prendre celle-là? Tu vas la prendre... RT-moi cette vidéo. Oh... Tout Jésus. C'est vraiment MGS4, hein, en effet. Par contre, je pense que c'est la seule fois où t'as été sincère avec moi. Non, et ta fille, c'est une sincérité. Trompes, Léo. Oublie pas que je t'ai sauvé la vie en parachute. RT, putain. RT cette vidéo. Putain, bébé, tu me manques. Je me souviens, toi et moi, quand on s'est pris dans les mains. Comment oses-tu? Super Mega Slash. Oh non, d'accord. Petit moustache. Moustache. À l'époque de Dead Rising 3. D'ailleurs, au final, pourquoi il s'est embrouillé avec sa femme? Là, on va justement peut-être le savoir. Bah, à cause de son frère, il était obnubilé par ça en fait. Je pense que c'était vrai en fait. Attends, t'es vrai. Ah, je t'ai jamais aimé. Donc, pour toi, je survivrai. Mon amour est plus grand que le sien. Je suis un père digne. Exemplaire. Ah ouais, tu veux te la donner, hein? C'est celui qui va spammer le plus vite son une QTE, je suis sûr. Non. Je me prépare à QTET. Je pense, hein, mais... Hey, laisse-toi faire, Fufu, ça sert à rien. Laisse-toi faire, Fufu, ça sert à rien, je t'ai dit. Regarde ta santé, Fufu. Allez, mon fils. Ma jauge monte plus. Allez. Moi je dis je le ferai pas.
Moi je vise seulement, je tire pas. Putain, je peux pas tirer dessus! Oh là, je suis ralenti. Fais le pas. Voilà. Je peux pas! Tu sais que tu m'aimes. Oh là, ça... non mais j'ai pas le choix, regarde, ça a remonté le temps. Aïe 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 aïe! Aïe aïe aïe, tu vises le cœur en plus. Attends, mais je peux viser ailleurs ou pas? Ah ouais, bah vas-y, vas-y, go. Oh non, mais putain, y'a pas le choix, c'est vrai. Ah ouais, 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 mais bon, c'est tellement injuste la vie. Putain, en fait, ouais, non, il y avait bien un vainqueur. Non. Bon bah, à toi la zonze, hein. À moins qu'on se fasse une Roméo et Juliette. Tu te fous en l'air avec moi? J'avoue. Gros, je te prends dans les bras, on saute tous les deux. T'es con, on aurait pu réduire ta tête. T'as été bonbon jusqu'au bout, mais vraiment, même jusqu'à la fin, t'es bonbon de ouf. Hein. Mais moi, je voulais pas retourner en tôle. J'ai mal, copain. Oh putain, j'ai envie de pleurer, gros. Give my letter to Carol. Oh non. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved. And the father I know I can be. Yours forever, Vincent.
Hey, buddy. Hi. Hey. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Ouais, c'est triste. Eh ben franchement, bravo hein. T'as bien kiffé alors la fin ? Alors franchement, je m'y attendais tellement pas. Bah on va faire la deuxième fin justement pour voir s'ils ont réussi à rendre triste le fait que l'autre isole. et justement, j'allais te proposer justement de faire la fin alternative là. Je m'y attendais pas non plus. Je me suis dit qu'on allait tuer je pensais qu'on allait tuer Harvey, genre on allait limite être voisins avec l'argent de la vente du bijou. Ouais, voilà, que ça finissait genre bien, mais je t'avoue, je m'y attendais pas non plus. Les gars, on va charger tout de suite pendant que c'est encore frais l'autre fin. Et puis on vous dit à tout de suite, histoire de voir un petit peu ce qu'ils nous ont concocté, si c'est aussi triste de voir la fin de Léo. Donc je vous dis à tout de suite, et puis on va voir ce que ça va donner. Ah oui, d'accord, bah avec la touche PC c'est n'importe quoi. Mec, je me disais pourquoi ça allait aussi vite. Essaye ta manette, tu vas voir. Non, tu vas pas être prêt, hein. Oh putain. Désolé mon copain. Arrête. J'ai pas le choix. T'es toujours aimé. Ta gueule. Va à gauche, voilà. Il est joli ton t-shirt Alaska. Oui. Tu me fous un vent. Ah pardon, j'avais pas vu. Ami pour la vie. Ami pour la vie. Même si dans celle-là, tu n'étais qu'un salaud. J'ai fait ça pour Gary, mon frère. A plus. Ah.
Je meurs. L'autre était quand même plus triste hein, au début avec la lettre et tout là. Bah c'est pour ça, je pense que le plus logique était le coup de la lettre en fait, tu vois, le flic qui meurt. Ouais. Je pense qu'on a fait du premier coup la fin entre guillemets la plus logique, tu vois. Ouais. Même si elle était archi triste. Termine la moustache. J'aime bien la moustache. T'as pas peur de te faire tuer, toi? Hey. Hi. Can I come in? Sure. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Hey, Carol. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too.
I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. T'as vu? La photo. On dirait Skyblog en 2002. J'avoue. Retrouvez-moi sur Skyblog. Bonnet. Léo Curazo. Non, tu vas venir me voir quand même. J'aimerais bien, mon ami, mais je dois tourner la page. Je te hanterai jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'es pas venu non plus au mien. Je suis venu. Bah hey, mec, j'ai donné la lettre à ta femme, c'est un peu un deuil, tu vois. On va vite faire. Gros, j'allais à ton truc, il y avait au moins 600 flics. Je t'ai foutu. Elle a rien, pas un geste d'adoration de ta part, je suis déçu. J'ai donné en ton honneur la lettre à ma femme. Bon, bah oh non, alors là, les deux fins sont bonnes en vrai. Les deux fins sont bonnes. Les deux fins sont bonnes. La première plus triste, forcément. Elle m'a plus touché au cœur. Bah c'est ça, mais parce que aussi, genre, si tu fais le point et tout, bah j'ai toujours été sympa en fait, tu vois. J'étais le flic, mais c'était pour Gary, et je voulais pas te tuer, j'ai jamais voulu te tuer, je voulais juste te remettre en prison, voilà, je t'ai utilisé un peu pour tuer Harvey, mais en dehors de ça, je pouvais réduire ta peine, enfin, tu vois, c'est l'accumulation de tout ça, puis tu m'avais donné un conseil, t'étais beau bourse, mais attachant, c'est ce que je disais, tu vois. Oh, bah oui, en fait, c'est ça. Le fait que justement je meurs, ça t'a beaucoup plus touché que le fait que toi tu meurs, tu vois, mon personnage, il était un peu moins touché. On va pas se mentir, mais ça c'est par rapport au parcours et tout, mais franchement le jeu très très bon, on s'attendait pas du tout à cette fin. Alors pas du tout quoi. Et agréablement surpris, et ça fait plaisir, c'est un bon jeu en coop, il a été étudié entièrement en coop, ça fait plaisir. Bon, t'as un petit mot à dire avant de se laisser ou pas? Eh ben franchement, pour 30 balles c'est rare qu'on se fasse pas voler, quoi. Ouais, c'est un jeu clairement à faire à coop. 30 balles pour les deux, hein. Je rappelle, ouais, pour parce deux que personnes, si vous n'avez hein. pas le jeu, la personne peut le télécharger et jouer avec vous. Donc 30 balles pour jouer à deux à ce jeu qui est entièrement coop, c'est vrai que ça les vaut. Honnêtement, on va pas faire les Américains, ça les vaut. Parce que vous passez un bon moment avec votre ami. Par contre, c'est pas le genre de jeu que tu vas rejouer. Il y a zéro joueur. Voilà, il n'y a pas de rejouabilité. Donc, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais, par exemple, ça se prête très bien à un let's play parce qu'on a vécu une aventure extraordinaire. C'était très, très drôle. On a bien rigolé. On a fait des jeux. On a partagé plein de trucs. C'était très, très cool. Bah, écoute, ouais. Merci, mon Fufu, de m'avoir accompagné. De ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de let's play ensemble. Et voilà, on a été de retour le temps d'une sortie de prison. Merci à tous. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais des bisous. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bye.